Bonsoir, 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 bonsoir. De retour, comme tous les lundis, sur Alien Isolation. Lors du dernier épisode, nous nous étions débarrassés de notre ami baveur via un sas. Non, je veux pas du tout commencer une nouvelle partie, je veux continuer la partie. Merci. Et nous étions en pleine descente vers le cœur d'Apollo, le cœur de Sébastopol, la station dans laquelle nous sommes, pour découvrir ce qui s'y passe. On avait découvert qu'il y avait une opéra un peu agressive de la part de nos bien-aimés Weyland Yutani, bien sûr la compagnie emblématique de la série Alien. Billing Towers. La compagnie avait racheté la station Sébastopol à Sixon, qui en était l'ancien propriétaire. Et visiblement, ils avaient dans l'idée de laisser faire certaines choses qui allaient foutre la merde. C'est plutôt joli, toi. Hein. Alors là, on a l'ascenseur vers la salle des machines, ok. On va accéder au terminal, on va lire ce qu'il y a à y dire. Rapport d'interaction avec Apollo. Classe, interaction humaine. Requête pour communication inter-entreprise reçue. Message destination des représentants de Weyland Yutani accepté et suivi. Rapport d'incident du Marshall et de la colonie. Mesure d'urgence temporaire initialisée à la maison médicale Saint-Christobal. Aucune information supplémentaire fournie. Il y a des interactions extérieures, commande d'achat reçue, ensemble de règles opérationnelles de Weyland Yutani reçues, donc à nouveau des règles de chez Weyland, a priori c'était le transfert. Confinement du danger. Arrivée sur Sébastopol, nouveaux habitants enregistrés dans le système. Donc là on arrive le 11-12, le 11 décembre. Et visiblement, ils n'ont pas aimé certaines choses. Spedding, ici Ransom. Étant donné le rachat par la Weyland Yutani, il est d'une importance capitale que la restitution de la boîte noire se fasse en douceur. Ces gars sont sûrement des employés peu importants qui n'auraient sûrement aucune idée de ce rachat. Mais s'ils ont vent des rumeurs sur les gens qui disparaissent. Mais c'est. J'ai pas envie de faire de vagues, et vous non plus. Essayez simplement de vous faire le plus discret possible, ce serait con qu'ils changent d'avis. Bah oui. On va en profiter pour fabriquer des medikits parce qu'on est à court quasiment. Alors, on va peut-être en fabriquer 3 et puis on va en utiliser un. Il restera un point de pistolet seringue. Après, normalement, l'alien s'est fait dégager, donc on devrait être un peu plus tranquille. On devrait rencontrer que des androïdes si tout va bien. Direction noyau du réacteur. On n'avait toujours pas nos armes, on n'avait pas récupéré, c'était réquisitionné. Si on y arrive, comment on y accède? Pas par là. Ou alors j'ai les yeux qui sont pas en face des trous. Le système. Rétablir le courant. Ok.
Hop, j'ai qu'une droïde là-bas. Est-ce que c'était suffisant pour allumer le système là-bas? Je pense pas, il y a deux câbles, donc je suppose qu'il y aura un deuxième si activer le train. Ah, puis ça va lui permettre d'accéder au point de sauvegarde. Et au côté workshop là-bas. J'aimerais bien voir quand même de l'autre côté si on peut trouver un repère où il y a la carte ou un truc comme ça. Merci. Garde noyau, réacteur, la centrale de réfrigération, ok. Il y a un autre truc important qui est marqué là, mais je sais pas ce que c'est. On va voir ce que c'est. Ok, il y a le workshop qui est là. Ah, il y a des... Chief, il se passe quelque chose d'étrange. Les synthétiques perdent la boule, alors j'ai trouvé des gars pour me filer un coup de main. J'en ai envoyé un à la salle de fabrication, mais il n'est jamais ressorti. Toutes les portes sont verrouillées, et c'est certain qu'il ne pourrait pas passer dans un conduit d'aération sans galérer. On ne sait pas trop quoi faire. Ça paraît un peu injuste de continuer le travail. Côté workshop. Il aurait été pour le retrouver, mais on ne sait pas où chercher. Notre service est bientôt fini. Rapporter l'incident à Waits et au Marshall. Veuillez quitter la zone. Accès réservé aux ingénieurs uniquement. Barrez-vous. Ok, caméra plus point qui bouge. C'est con Android dans le coin. Oui, genre là. Boum. Bravo. Minutes sur tourner avec un Android, c'est parfait. Ah, chaque fois je me perds sur les boutons. Allez au réacteur, très bien. Ah, étage de la salle des machines, étage de la salle des machines. Là, tout est là-bas, d'accord, on peut faire tout le tour par là. Aller jusqu'au réacteur au bureau de l'ingénieur en chef. Okay. Il va falloir être prudent parce que j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de méchants robots dans le coin. Il y a en effet beaucoup de robots. Et pas mal de caméras qui risquent de déclencher les alarmes si jamais on fait un peu nimp. Dans la vision d'ensemble, chaque détail a de l'importance. Je suis pas là. Rendre ta barre, toi. N'hésitez pas à me demander des renseignements sur les protocoles de sécurité SIGSAM. Protocole bêta d'alarme d'urgence. Merde. Bravo, le haut, encore une fois. Gaulé par la caméra. Putain, mais je sens qu'on va avancer difficilement.
avantage, effectivement. Cette fois-ci, l'air du coup est un peu plus cool. Si je puis dire. Inutile de vérifier ses papiers d'identité. La station vous est désagréable, veuillez nous le faire savoir. Le détecteur en est plein. On va revérifier la carte puisque. On devait vraiment une contourner. Ouais, il faut réussir à passer ce coin-là puis aller jusqu'au conduit là-bas. Éventuellement, on peut tracer, mais bon. Ok, du coup je dois aller jusqu'au... Je découpe le panneau là je pense pour continuer. Oui. Faut pas se sentir obligé de me chercher. Je suis sûr que c'est un malentendu. Absolument. Bon, où êtes-vous allé? Marty, qu'elle s'en gêne. Très bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'était très mal poli. Il y a ma placard ici pour se dissimuler éventuellement. Ici, il a l'air d'y avoir rien. Je vais pouvoir découper ça. J'ai pas le soudeur ionique. Ah ah ah. Ouais, ça va être la petite cahute surveillée par l'autre. C'est pas que l'état de la station est désagréable, c'est juste qu'il est tout pour accès. On va pouvoir contourner par la droite la caméra, ça devrait aller. On time à peu près bien. Alors, on va découper ça. Il va quand même. J'ai l'impression qu'il va quand même beaucoup plus vite que le précédent. C'est peut-être une idée, mais ça a l'air de tracer. Ouais.
pas très discrétion. Alors, il y a un androïde là-bas dans le fond. Pas mal ce petit système de sauvegarde avec un petit délai, etc. Ça contribue à mettre la pression alors que c'est juste un petit système bidon. Ok, donc il y a sa détecte là. Facility Management, je suppose. Là-bas, c'est une deuxième zone de l'atelier, on va essayer de la fouiller. On vient de sauvegarder. Au pire, c'est pas très grave si on meurt. Ah, mais de toute façon, on va avoir besoin d'y accéder. On va rétablir le courant. Il y a un générateur là-bas. Okay. Truc à ramasser, mais j'y suis trop loin. Et donc, lui, il fait le tour de l'espèce de forêt ou de buggy ou je sais pas quoi. Enfin, j'en profite pour aller glisser jusqu'à là-bas. Telle qu'une bonne cache avec des trous partout. Bien dissimulé. Don't look into the toyo. C'est rétabli. Il va falloir aller jusqu'au coupe-circuit là-bas. Évidemment, c'est le chemin qu'il a décidé de prendre. Le contraire m'aurait surpris. Il est à droite, mais je suis pas sûr. Ah non, il est là. Bonsoir, mon petit José. Rire, c'est. Oui. Comment ça va rétablir le courant? Il y en a un deuxième que j'ai pas vu. Il y avait un là-bas, ok. Ah, il y en a un là-bas où il était tout à l'heure. Ok, ok, ok. Et du coup, il y avait un troisième là au fond, là-bas, si j'en suis. Ouais.
Niveau d'électricité trop faible, d'accord. C'est une mauvaise idée parce que je sens qu'il va se retourner dans pas longtemps et qu'il va me griller si je fais le teubé. Donc du coup le troisième est là-bas. Peut pas passer par en dessous de la grille, ça fait chier. Pas très souple Amanda, hein. Toutes les sources ont été rétablies. On pourra activer des moteurs. J'ai toujours pas eu le temps d'accès. Ok, c'était inattendu, mais pourquoi pas. Je dois aller à côté de tout le shop, je pense. Ouais, ça m'a l'air d'être là le passage qui va bien. Quoique la porte n'a pas l'air allumée. Le seringue, le mélange B, ça tombe bien, c'était le truc qui me manquait. Là, je peux pas passer. Ah oui, mais une trappe en dessous du buggy, je suis teubé. Je vais juste faire attendre qu'il s'éloigne un petit peu pour y aller. Je vois tes pieds. Dizel, tu pars à droite. Très bien. Hop là. Passage presque propre. Je sais pas pourquoi, mais je m'attends à une vieille jumpscare. Ce passager ressemble vraiment au Nostromo. Là on va pas pouvoir passer ces ateliers. Le bip qu'on entend c'est celui-là du coup. On avance. Donc il y a au moins un éclat. Déverrouiller le store, très bien.
téléphone. J'ai pas vu s'il y avait des endroits où c'est dissimulé derrière le. Il est là-bas. Il a mis sa petite tenue de cosmonaute. Quelque chose ne va pas. Ah, je te permets pas, je suis caché derrière une chaise. Merde. C'est bon, il ne sait plus. Encore que. Pas du tout. Hop là. La discrétion. C'est pas mon fort. On va attendre tranquillement ici qu'on se soit fait oublier. Ne courais pas. Mais non, je cours pas, je suis dissimulé tel un caca dans une trappe. Oui, bonsoir. Je ne suis pas là. Ce serait une bonne idée que tu partes. N'hésitez pas à me demander des renseignements. Oui. T'es pas à jour, faut que tu demandes sur les Wheeler Newtany maintenant. Ne courez pas. Par contre, tu vas rester là ou? Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait l'embêter? J'ai une mini EM, mais c'est un petit peu bourrin. Je vais vous attraper. Cocktail Molotov. Ça sert à rien que le synthétique. Ah, il a l'air de repartir dans son coin. C'est ça, va reprendre ta place. J'étais bien là-bas. Oh, il court pas, hein. Ouais, il est bien en train de retourner sa place, donc pour moi c'est bon. Hop là. Du coup, ouais, déverrouiller le store, faut passer bien à travers le bureau où il était. Au pire, on a encore une mini-EM, mais ça me fait chier de l'utiliser. Est-ce qu'on peut encore en construire une? Seringue, agent collant, deux détecteurs, trois packs de recharge, putain ça coûte cher. J'ai pas beaucoup de planques. D'accord, c'était une radio.
nouveau, faut pas se sentir obligé de venir. Ok, il est parti. Non, il faut les environs. J'en doute pas. Seriez-vous en train de me jouer des tours? Non. Pas le genre de la maison. Je suis sûr que c'est un malentendu. Moi aussi. Arrête-toi maintenant. Vous faites perdre un temps précieux à la compagnie. Alors, il est passé. Venez ici, putain, il est là. Ça me sert à rien, très bien. Moi aussi, je sers tout ce que je peux. Les plus taquins diront surtout à rien. Je peux pas me cacher en dessous, très bien. Ça peut faire mal, ça. C'est quoi ça? Pistolet à clous. Ah bah oui. On va dire que oui. D'accord. Donc ça ne tire pas instantanément, c'est bon à savoir. Et c'est un tir raté, magnifique. Très bien, parfait. Bonsoir Tancred, comment ça va? Hello Capi, tu arrives juste au bon moment où je meurs, hein, grand classique. On est aux prises avec un androïde très fâcheux. Il ne veut que nous aider, mais bon, il y a des aides dont on se passerait bien. Alors, parce qu'une fois que le store il est ouvert, on peut passer jusqu'à la centrale. T'es dans une quête de trouver une tête, une quête importante. Hein. Dixon, ensemble pour demain. Détecteur, on n'a pas besoin. Étrange. Non, pas étrange. Il n'y a rien d'étrange ici. Oui, bah non. Ouais, donc quand on fait de l'IUM, ne sert à rien pour lui. Mais pas deux heures à le prendre aussi. Oh, attends, laisse-moi l'inspecter tranquillement. Ok, ils sont pas mal. Je valide. Ça fait le taf! Joli glouglou! Rien de tel qu'un bon petit clou! Lui il va pas bien. Ah, il y avait un truc pour se cacher là. Ça m'aurait évité de dépenser une munition. Et oui, si tu débutes sur Epic, profites-en parce qu'il est quand même assez sympa. Le code c'est 6832. Distribution de courant, Flores, il faut que tu viennes au réacteur de maintenance, j'ai reçu des rapports de chute de tension sur toute la station. Je sais que c'est le bordel partout, mais j'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir un problème avec la distribution de courant. Est-ce que tu pourrais faire une vérification complète des systèmes? Est-ce que ça va au niveau du son, tiens? J'ai l'impression que le son est un petit peu faiblard depuis que j'ai changé mes réglages de micro, mais c'était juste chez moi. Je viens te chercher. Flores, si t'es encore là, trouve un endroit sûr et attends-moi, je viens te chercher. Il faut qu'on se serre les coudes à présent. Sanders est mort et au moins 4 autres ingénieurs, c'est introuvable. Un de ces satanés androïdes a manqué de me décapiter, du coup j'ai assemblé quelques pièces pour me faire une arme. Elle a assez de puissance pour perforer ces bâtards. Je serai là dès que je peux. Fichier corrompu. On avait dit que c'était quoi le code? 6832. Store de sécurité. Impec.
Ok, du coup le pistolet à clous, il a des munitions de pistolet normal a priori. Stop fucking weaponizing the tools! On va aller reprendre le point de sauvegarde. Maintenant qu'on a éliminé Raoul. Pour info, je suis en train de mettre en ligne, j'ai enfin pris le temps de mettre un petit peu en ligne les vidéos d'Alien Isolation. On a fini Baldur's Gate 2 maintenant sur YouTube. Et il était temps, parce que ça fait quand même paire de mois de retard que j'ai. Et du coup, il y a du Alien Isolation qui va arriver à partir de demain. Enfin, la suite d'Alien Isolation, puisqu'il y avait déjà une partie qui était là. Ouais, on se calme. Du coup, si jamais vous voulez vous remettre à jour de ce qui se passe, ascenseur! Il y a de la gueule le pistolet à clous. Vers le réacteur central. Ricardo, t'es déjà allé au réacteur? Jamais fait cette visite? J'ai fait une formation dans un réacteur, mais c'était dans une autre vie. Des sur la centrale. Ne t'inquiète pas Amanda, j'ai regardé Tchernobyl. Je suis, on peut le dire maintenant, un expert en réacteur nucléaire en tout genre. Ok, donc il y a un mec là. Mission de pistolet à clous. Et une bombe. Il était juste derrière. Il remontait le couloir comme si de rien n'était. Je me suis caché, mais quand j'ai relevé la tête, il était plus là. Je crois qu'il est passé par le sol ou par le plafond. Sébastopol est un vrai gruyère, fait de conduits et de passages. Ah bah tout le monde a laissé... Mon équipement était remis là. Il pourrait être n'importe où. On peut... Ça doit être ça que les Marshall ont pris en chasse. Pistolet à clous, revolver. Chief, terminé. Ouais. Ça fait beaucoup de munitions pour une seule personne. Je dirais pas que ça me rassure. Est-ce qu'on va arriver dans une partie un petit peu plus action du jeu? Ça m'étonnerait parce que le personnage est quand même extrêmement fragile. Mais sait-on jamais. Poink. La sauvegarde. Allez au réacteur, je suis d'accord. Il y avait un truc par là que j'ai pas vu. Peut-être un accès à la carte. Ça m'arrangerait bien, ça faciliterait pas mal les choses. Ah non, c'est l'ascenseur. Oui, c'est ça. Donc on s'en fout. Pipa 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 pou. Je vais me faire strike si je fredonne popcorn. Twing 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 twing. Tu veux s'en mettre du noyau du réacteur? T'en as quelque chose? Rien. Putain, c'est beau. Des androïdes, des systèmes de contrôle centraux, la routine habituelle. Va falloir que j'explore l'étage inférieur. Il devrait y avoir un ascenseur dans le coin. Putain, il pleut tellement c'est grand dans la salle. Bon, puis il y a des petits éclairs parce que bon, il faut quand même. Ouais, bah du coup, c'est mon retour qui est un peu faible, mais c'est pas grave. Non, Jackie, tu n'es pas obligé de venir. Regarde cet ascenseur descendre, Milliam. Ce ne sont pas ces droïdes que tu recherches. Tiens. Non mais. De quoi tu fais une bonne migraine. Putain mais ils sont nombreux ces cons.
Bon bah. Raté. Trois petits clous, trois droïdes. Ou un pompeux. Barre-toi, tête de con. Eh ben c'était pas vraiment l'économie du moyen. Bon, on a plus qu'un clou, c'est bien. Écoutez Thérèse, je suis ravi. Ah bah il est sur les caisses, très bien. Bêta-core, alpha-core. Ouais, je commence à être lourdement armé, mais je suis pas sûr que ça bon signe. Alors ici, il y a un truc allumé, mais ça sert à rien. La salle, il y a peut-être encore des munitions qui traînent et je pense que ça nous servira encore. Courage à demain, le courage. Il y a l'air d'y avoir personne. Il y a un autre ascenseur. Vers la maintenance du réacteur. Et ouais, l'armement lourd, hein, je suis pas sûr que ce soit une super idée, ça donne un peu le sentiment de sécurité, alors que... Je suis pas sûr que c'est le bon sentiment dans le... Ah, ah. Oh non... Eh. C'est pas vrai... Oh non... Par eux... Oh putain, il y a des œufs en plus... Oh, il va y avoir des facehuggers. Oh non. Oh non, pas ça. Regarde-moi, ils sont tous ici. Tous les gens qui ont disparu. Tout le monde. Ils sont coincés dans une sorte de nid. Il y a des œufs, c'est comme une ferme. Merde. Fiche le camp de là. Oh mais putain, mais ils doivent être hyper nombreux, ces bâtards. Il faut que je rallume le courant de la plateforme depuis ces conduits. Eh. Oh putain. Mais moi, je pensais qu'on était tranquille après avoir éjecté Raoul. Surchargé de nouilles wolf. Ah ouais non mais les facehuggers ils font flipper, ils vont super vite et tout. On fait un refus d'enfer avec la flotte au sol. Putain. Pouh.
Ok, il y a un œuf là-bas qui est pas éclos, on va se le cramer tout de suite. Voilà. Sur quelques œufs à la coque au passage. Désengager les mécanismes de verrou. Alors, à la différence de Covenant, on va essayer de ne pas mettre la tête dans un œuf. J'ai bien dit essayer. Il y a des petits criquis. Putain, mais arrête de faire du bruit comme ça, bordel. Non, parce que là, mon stressomètre pète des plafonds. Je vais tomber nez avec un de ces connards. Ou avec un putain de facehugger. Je veux vraiment que je passe dans ce tuyau, j'ai tout de ma gueule, putain. On faisait de cramer les œufs qu'on trouve. Évidemment. Eh ben il était pas content lui.
arrête de bousculer à chaque fois, c'est pas possible ça. Dégage. Sans deck, ennemi proche. Putain, j'utilise beaucoup trop de munitions en plus. C'est de sauvegarder quand même. Pas sûr que c'est une bonne idée. Timing parfait. Non, pas sauvegarder de mission. D'accord, ils peuvent passer par ces trous là. Quel enfer ce jeu. Je pense qu'il est rentré dans une conduite. Je pense qu'il est sorti d'une conduite. Oui, mais ça c'était Griax. Il y en a un là-haut, évidemment. Je dois aller où? Pas du tout par là. J'ai plus que 10 de munitions de lance-flammes. Parfait. Dites-moi qu'il y a des munitions. Quoi. Évidemment que non. Pourquoi j'ai tiré où ça? Il y avait un œuf à un moment, puis il y avait un alien qui me suivait donc. Faut que j'avais retourné au noyau alors que j'ai plus de munitions quoi. Si je parle pas, c'est uniquement parce que je suis en train de me faire dessus. Hein.
Oui, des bruitages pas rassurants, en effet. Oui. Faut que je retourne où? D'accord, faut que je retourne à l'entrée. Ah putain! Sur ce bon mot, YouTube va s'arrêter là. Fais ce que tu fais habituellement avec ta vidéo.